Que tous ceux qui respirent l'éternel on te mananga le comme ça yo babanzo nanga le sanjola yo po oyonga na zomona ilongoli bonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de la libération de l'évêque Pascal Mukuna, carrément acquitté même, mais aussi de l'état de santé de Vital Kamerhe qui ne cesse de se détériorer. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demornien Imoku Siyata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram demeure officiel, TikTok @demeureofficiel, Snap demeure officiel et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais parce que de toute façon, l'eau c'est la vie, on peut quand même trinquer à la bonne heure. Salutations à tous ceux qui me suivent en ce honnête moment partout à travers le monde. Si vous tombez par hasard pour la première fois sur mes vidéos, bah écoutez, abonnez-vous, faites partie de cette grande team, n'est-ce pas, demeure officielle. Et d'ailleurs, je tiens à dire grand merci à tous les 15 000, mais 15 000 abonnés de demeure officielle. En moins de 6 mois, nous sommes à 15 000, mais vous êtes des amours, vous êtes mon coup de cœur. Merci pour la confiance, mais partagez massivement les liens de mes vidéos, incitez vos proches à me suivre, dites-leur que de ce côté, il y a du bon contenu, n'est-ce pas? J'aimerais en avoir encore plus, c'est-à-dire qu'on puisse arriver à un niveau où on fait le triple des nombres de vues, hein, n'est-ce pas? Le quadruple des nombres de vues, qu'on puisse faire plus de vues que le nombre d'abonnés, quoi. Donc voilà, partagez massivement les liens de mes vidéos. Merci à tous. Alors, l'évêque Pascal Mukuna, libéré, carrément acquitté. J'ai reçu des messages, des appels, des captures et tout, et en circulant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur des lives, n'est-ce pas, devant la prison centrale de Makala, les fidèles de l'église Aseka, nombreux en train de festoyer, de jubiler et de dire que, n'est-ce pas, pour eux, le déconfinement, la reprise des églises, ça sera déjà ce dimanche parce que l'évêque Pascal Mukuna va nous ramener des nouveaux versets fraîchement inspirés, n'est-ce pas, pendant qu'il était bien enfermé dans la prison centrale de Makala. Le monsieur, au fait, a été carrément acquitté. Cet homme de Dieu, l'évêque Pascal Mukuna, qui a fait des apparitions médiatiques parlant politique et tout, il a fait d'énormes révélations en ce qui concerne la politique, bien entendu. Mais après quelques temps, nous avons vu des vidéos faire le tour des réseaux sociaux, des vidéos très scandaleuses. On en a parlé, vous savez, ça fait le tour de la toile jusqu'à ce qu'on puisse l'arrêter pour qu'il puisse rester pendant quelques temps, pendant un bon bout de temps, dans la prison centrale de Makala. C'est-à-dire carrément, il a passé son confinement là-bas, quoi. Et il y avait la dame qui l'accusait d'avoir abusé d'elle, Madame Mimi Chibola, qui est passée plus d'une fois dans les médias, qui a donné sa version des faits, qui a expliqué les choses, qui a vraiment, vraiment expliqué les choses. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y avait une rumeur qui faisait le tour de la toile comme quoi Mimi Chibola serait arrêtée aussi à la prison centrale de Makala. Arrêtée? Ok. Pendant qu'on était en train de chercher les informations, elle a encore fait une apparition médiatique, elle est passée sur une chaîne YouTube pour dire que c'était une fausse rumeur, qu'elle était en liberté, qu'elle attendait à ce qu'ils puissent se confronter, qu'il y ait confrontation entre elle et l'évêque Pascal Mukuna, quelque chose de comme ça. Et bizarrement, on apprend que l'évêque est libéré, carrément acquitté, n'est-ce pas? Il n'y a plus aucune poursuite. La question qu'on se pose, parce que c'est la question que vous m'avez posée, je me pose aussi la même question. Qu'est-ce qui s'est passé? Mimi Chibola n'aurait pas ramené suffisamment de preuves. Elle aurait inventé toute cette histoire de toutes pièces. Qu'en est-il de la vidéo qui faisait le tour de la toile? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Certainement qu'après la liberté de l'évêque Pascal Mukuna, Mimi Chibola va réapparaître ou elle va disparaître à jamais, on ne sait pas. Elle va garder silence. Elle va réapparaître pour nous dire quoi? Parce qu'on sait que nous sommes en plein période de l'état de droit.
que la justice de notre pays, ça rigole plus. Ils suivent les dossiers vraiment à la loupe. Donc, ils ont travaillé sur cette affaire pendant des mois et des mois. Jusqu'à, pas dire liberté provisoire, mais acquitté, c'est-à-dire il n'y a plus aucune poursuite. Mimi Chibola, tu nous dois des explications. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'autre temps? On aimerait vraiment savoir, on a hâte, mais une chose est sûre est que il a été acquitté, il va être libéré, et voilà. Espérons qu'il n'y aura plus de scandale tout autour de cette histoire sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on va voir, ouais, Mimi Chibola qui va sortir, qui va venir faire des réclamations, ou encore présenter des excuses à l'évêque, nous dire quelque chose, peut-être même qu'elle va garder silence, mais déjà, l'information qui est sûre, c'est que il a été libéré, acquitté, et voilà, certainement que ce dimanche, il sera déjà dans son église avec ses fidèles qui ont grave festoyé, n'est-ce pas, qui ont célébré sa liberté en rendant grâce à Dieu. Attendons voir la suite, comment est-ce que ça va se passer, parce que ici, chez nous, aïe, 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 quand il y a une affaire sur les réseaux sociaux, les rebondissements ne manquent jamais. Sinon, bon retour, très cher évêque Pascal Mukuna, le taux du dollar est à 20 000, 10 dollars, c'est maintenant 20 000 francs congolais. Espérons que ça va pas vous surprendre. Voilà, dans l'autre temps, nous continuons de respecter les gestes barrières, évêque Pascal Mukuna, toujours masque de protection, se laver les mains, donc voilà. Et à l'église, c'est vrai que vous serez très content de recevoir l'évêque qui a passé pas mal de temps dans la prison centrale de Makala. Vous étiez très inquiet, mais n'allez pas vite sauter sur lui. Respectez les gestes barrières, c'est important. On ne veut pas se contaminer, n'est-ce pas, le Covid-19 est encore là parmi nous. On se bat pour que ça nous quitte à jamais. Donc voilà, c'était un peu vite fait la petite info qu'on avait autour de cette histoire de la liberté encore. L'acquittement de l'évêque Pascal Mukuna. Allons du côté du directeur de cabinet du chef de l'État. Alors là, je suis sur un site qui parle très souvent politique. Je vous lis cet article qu'ils ont publié là, tout autour de l'état de santé, bien entendu, de Vital Kamerhe. Si vous me sentez un peu hésitante dans ma lecture, comprenez, j'ai des problèmes de vue, hein, d'accord? Ne me tenez pas rigueur. Alors, l'article dit ceci. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a été transféré vers un centre de santé en début de soirée ce dimanche 23 août. Selon des sources pénitentiaires de la prison centrale de Makala, Vital Kamerhe a fait un malaise. Excusez. Son assistant personnel, Michel Moto, a confirmé l'information sans dire à quel centre de santé Vital Kamerhe a été transféré. Il se sentait mal durant la journée. La situation s'est dégradée en début de soirée. Nous sommes en train de suivre son état, explique-t-il. Les avocats de Vital Kamerhe, qui a été condamné en première instance à l'issue d'un procès autour du programme de 100 jours du président Tshisekedi, avaient demandé une libération provisoire annonçant que leur client était extrêmement souffrant, mais la demande a été rejetée. Je signale que cette demande, on l'a fait environ 9 fois, hein, si je ne m'abuse. 9 fois, il paraîtrait. Toujours un article sur ce même site, n'est-ce pas, qui parlait de ça. Il dit, nul ne sait de quoi souffre le président de l'UNC. Son parti annonce déjà une nouvelle marche le 28 août pour réclamer une fois de plus sa libération. Vital Kamerhe et ses avocats ont attaqué sa condamnation en appel. Le procès qui devrait débuter depuis le début du mois. Se heurte à ce problème de procédure. Okay? Donc, le procès qui devait commencer est en train d'être reporté et tout, etc., etc. Il y a les procédures et tout qui doivent suivre, nanani, nanana. Donc, voilà. Alors, je poursuis parce que après ça, il y a encore un autre article qui donne d'autres révélations, toujours en ce qui concerne l'état de santé de Vital Kamerhe. Le procès 100 jours. La demande de mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe rejetée pour la 9e fois. Ah, c'est de ça que je parlais d'ailleurs tout à l'heure. Il dit ceci. La chambre de conseil de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient de rejeter pour la 9e fois la demande de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Ses avocats qui avaient invoqué la dégradation de son état de santé pour justifier leur requête, affirme que les juges se sont déclarés non saisis de la demande de la mise en liberté provisoire. Les juges se sont déclarés non saisis
de la demande de la mise en liberté provisoire, ils sont allés puiser le motif de leur non-saisine, excusez, dans une audience ordinaire qui n'avait rien à voir avec la chambre du conseil, a dit à RFI maître Jean-Marie Kabengela, l'un de ses avocats, ce lundi 24 août 2020. Donc, c'est une information récente. Toutefois, M. Kabengela indique qu'ils vont continuer à solliciter la mise en liberté provisoire de leurs clients. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer de demander même 1000 fois la demande de mise en liberté provisoire au regard de l'état de santé de notre client qui ne cesse de se dégradé chaque jour, a ajouté Maître Kabengela. Bien avant, le leader de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, a été évacué d'urgence ce dimanche 23 août 2020 dans un centre hospitalier de la ville. D'après son assistant, Michel, il était mal en point. En fin d'après-midi, sa situation s'est dégradée. Alors, quelques heures plus tard, il y a le secrétaire de l'UNC qui vient faire des révélations toujours en rapport avec l'état de santé de Vital Kamerhe. Il s'appelle Aimé Boji, il est le secrétaire général intérimaire de l'UNC. Il affirme dans un communiqué que l'état de santé de Vital Kamerhe est stable, mais nécessite un suivi médical approprié. Il dit « Nous venons d'échanger il y a quelques instants avec le médecin qui le soigne et tenons à informer les cadres militants, sympathisants, l'opinion nationale et internationale que son état de santé est stable, mais nécessite un suivi médical approprié et permanent. » Il dit aussi que le parti remercie les autorités du pays d'être intervenues avec diligence afin de permettre son déplacement vers une structure sanitaire adéquate de la place. Il cède de rappeler que l'audience en appel de Kamerhe Vital est prévue pour le 18 septembre prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe après 3 renvois pour régularisation de la de la saisine. Ok, donc je pense que je dois relire la fin. C'est qu'ils disent que l'audience en rappel de Kamerhe Vital est prévue pour le 18 septembre prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe après 3 renvois pour régularisation de la saisine. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est de l'état de santé de Vital Kamerhe. Son état de santé s'est détérioré, on l'a évacué dans un hôpital et ça s'est stabilisé, mais son équipe continue de demander la liberté provisoire parce qu'il a besoin d'être suivi par des médecins. Et voilà, ça a été rejeté environ 9 fois. Et puis on dit que le 18, ils seront à la cour d'appel, Gombe, pour essayer de réévaluer le dossier, de revoir les choses et tout et tout. Vous savez comment est-ce que ça se passe? Ça demande vraiment beaucoup de suivi, beaucoup de patience. Voilà. Sinon, grand merci à tous les membres de l'UNC parce que vous démontrez comment est-ce que vous êtes unis malgré la situation, le contexte de la situation. Mais vous êtes là, vous avez organisé une marche. Vous avez l'intention d'organiser encore une autre marche. Vous avez fait même des séances de prière. Ça fait plaisir de voir quand même dans les moments de malheur, il y a toujours les siens qui sont là, qui sont très actifs, qui sont au taquet. Courage, courage à vous. Tout ce que nous demandons, c'est que la justice fasse correctement son travail, c'est-à-dire état de droit. Mais après, même si on est prisonnier, on a toujours besoin de se faire soigner. C'est pas parce que quelqu'un est en prison qu'on doit l'empêcher d'avoir des soins adéquats. C'est-à-dire, vous avez constaté qu'ils ont dit que son état de santé s'est détérioré, ils l'ont constaté eux-mêmes, ils ont demandé à ce qu'on puisse l'évacuer pour qu'il puisse être soigné et puis il va revenir en prison jusqu'à ce que la justice disent OK pour la liberté provisoire ou encore trouvent un terrain d'entente avec les avocats de Vital Kamerhe. Sinon, beaucoup de courage à maman Amida Chature, aux enfants et à tout le monde, à tous les membres de l'UNC. Faisons confiance à la justice de notre pays qui puisse suivre ce dossier de près et voilà, nous leur faisons confiance jusqu'ici. C'est un tout petit peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dès qu'il y aura du nouveau, je n'hésiterai pas d'aller puiser pour vous l'information et de vous le ramener. Je vous souhaite des très bons moments et je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Ooh, ooh, ooh.
que tout ce qui respire loue l'Éternel. O te mananga e comme ça yo. Babanzo nanga e sanjola yo. O oyonga na zomona ilongoli bonza mena yote.